بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أحبائي الصغار مرة أخرى في قناتكم ربي زدني علما. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle séance de lecture. Leçon Z. Leçon Z. Le premier exercice dit: j'observe et je lis. J'observe et je lis. Alors, regardez bien cette image. Qui est-ce? Qui est-ce? Est-ce que c'est une fille ou bien un garçon? Qui est-ce? La réponse, c'est une fille. C'est une fille. Où est-elle? Regardez bien. Où est-elle? Elle est au zoo. Elle est au zoo. Une autre question. Que voit-elle? Que voit-elle? Elle voit une gazelle et un zèbre. Elle voit une gazelle et un zèbre. Donc on passe à la phrase. Au zoo, Zéna a vu un zèbre et une gazelle. Zoo, zoo, zèbre, zé. Gazelle, zèle, zé. Je répète. Au zoo, Zéna a vu un zèbre et une gazelle. Zoo, zoo, zèbre, zé. Gazelle, zèle, zé. Le deuxième exercice, je lis les syllabes. Za, zo, zi, zu. Za, zo, zi, zu. Une gazelle, un zèbre, un lézard. Une gazelle, un zèbre, un lézard. Le troisième exercice, je lis les mots et les phrases. Zéro, douze, 13, 14, 15. Le gaz, le gazon, le bazar. 0, 12, 13, 14, 15. Le gaz, le gazon, le bazar. Au zoo, les gazelles sont avec les zèbres. Le zèbre est bizarre. Il chasse les gazelles. Au zoo, les gazelles sont avec les zèbres. Le zèbre est bizarre. Il chasse les gazelles. Et maintenant, on va combiner le son z avec les voyelles a, o, i, e, u. Z,
avec A, za, z avec O, zo, z avec I, zi, z avec E, ze, z avec U, zu. Je répète, z avec A, za, z avec O, zo, z avec I, zi, z avec E, ze, z avec U, zu. J'observe et je lis. Faites attention à la lecture de ces mots. Écoutez bien. Rose, valise, zoo, gaz. Je répète. Rose, valise, zoo, gaz. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans ces mots? Donc, en lisant ces mots, on remarque que on peut faire le son z avec la lettre z ou bien la lettre s entre deux voyelles a, o, i, e, u, y. وبالنسبة للناس اللي كيشرحوا لوليداتهم يعني بالنسبة للصوت ز اللي كاين في الفرنسية لو سون ز كنقدروا نعملوه جوج الحاجات اما بلا لتر زد او لا بلا لتر اس عندما تكون بين جوج ديال لي فويل بين لي فويل اما بين ا او او اي ا او الى اخره يعني لي فويل هما ا او اي او U, Y, كما شفنا في الكلمات اللي قبل هذه الملاحظة هذه. Donc, je vais lire ce petit texte. Écoutez bien. Zeina offre une rose à son amie Aziza à l'occasion de son anniversaire. Puis, elles sont allées au zoo pour voir des zèbres, des gazelles et des oiseaux. Je répète, Zeina offre une rose à son amie Aziza à l'occasion de son anniversaire. Puis, elles sont allées au zoo pour voir des zèbres, des gazelles et des oiseaux. Donc, comme vous voyez ici, nous avons la liaison. La liaison. On ne prononce pas son ami, on dit son ami. Ici, on ne dit pas son anniversaire, mais son anniversaire. Et ici, on ne dit pas son aller, mais on dit sont allés. Et de même, ici, on ne dit pas des oiseaux, mais on dit des oiseaux. Donc, comme vous voyez dans ce texte, nous avons ici le son Z. Le son Z, il y a dans Zeina. Le son Z, ici, rose. Aziza. L'occasion. Saut. Zèbre. Gazelle.
oiseaux. Donc ici nous avons deux. Des oiseaux. Alors ici, comme vous voyez, nous avons S entre deux voyelles. Ici nous avons la lettre Z. Ici, S entre deux voyelles. De même, ici, O et E entourent S. Et ici, S entre I et E. Et enfin, je vous souhaite une belle soirée. Au revoir et à la prochaine séance.